fish or nuts, huh? Yeah. But the mond entier by here, by your song. On a bambou canabama, yango, balos, sucre, il est quoi belé, bambou, bazo négocier, bambou d'affaires, yango, on a joué bissau, au sali stock, talabia, batoune, bazo négocier, bas sénégalais, bas gabonais, bas congolais, namoni batoakin, bambou, bas affaire en ouy, yango, et zalaka, tala, Gambie, Sénégal. Ligné leur union sur négocier, bâtiment délié au conteneur, demi-conteneur, talab huile. Yango, à recueillir de l'eau directement en Andak. Bacanette. Donc, bambou, qu'à tout bailler à qu'on négocie. Talab, côté bâtiment d'Aga. Bambou, qu'à tout. Bah, fournisseur, bamboué, bazar. Mais on a contact avec bambou nuance. Bah, café. Il y a un peu de lire à Nakin, il y a un plichard. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps pour distribuer les produits dans le Congo. Donc, il y a un peu de temps pour s'installer dans le Congo pour arrêter car la glace. Donc, il y a une marque. Donc, il y a un peu de matata, talabat. Na bambo kana bango bazo installer bazo koma ba producteur moi d'abord yango na zo ebisa pona bana moins cher que nido yango bazo ba contact milik tala ba noir bazo ya osomba pona bambo kana bango ba faire en ngolo ba yango ngo sala commerce tala yango ya makoto kota. Voilà, ma côté, tu vas au salaire à faire. Il y a moi, huile, bilou et belé belé. Tu as bâti Sénégal. Oh, homme d'affaires, il y a moi, côté bas salaire à faire. Bomba, plan, il y a moi. Vous avez la place à stocker. Bonjour ou bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Moi de mon côté ça va, grâce à Dieu. Alors une nouvelle vidéo aujourd'hui pour vous parler de Gulf Food. Le Gulf Food, je ne sais pas si vous connaissez, moi c'est la première fois que j'ai eu entendre parler de ce grand salon qui se tient chaque année à Dubaï. Et c'est mon frère qui m'a envoyé quelques images pour m'en parler, vu que lui également cherche pas mal d'idées pour investir au Congo. Et il m'a envoyé quelques images que je vais partager avec vous, que vous avez dû voir avant. Je vais mettre les images soit avant, soit après ma présentation. Donc, vous allez voir les images et tout. Donc, le Gulf Food se tient au World Trade Center de Dubaï chaque année. Donc, cette année, il avait eu lieu du 19 au 23 février. Et l'année prochaine, il aura lieu au mois de février. Donc, c'est un endroit où vous allez retrouver en fait les nouvelles entreprises des Émirats Arabes Unis et également des entreprises internationales liées aux différents secteurs, donc l'hôtellerie, la réfrigération, la gastronomie, tout ce qui est boisson, l'alimentation, la nutrition et tout en fait qui concerne l'industrie alimentaire en fait. Donc en fait le Gulf Food, comme je vous l'ai dit, l'année prochaine en 2025, ça sera au mois de février. Et je trouve vraiment hyper intéressant pour ceux qui ont les moyens au Congo ou même ceux qui sont ailleurs, hein, d'aller en fait, de pouvoir, si vous avez les moyens, de pouvoir aller sur voir cet événement, parce que c'est un événement qui vous permettra de rencontrer les fournisseurs et également des sociétés qui veulent en fait commercialiser leur pays, leurs produits, pardon, dans les pays où ils ne sont pas représentés. Donc vous pouvez très bien aller rentrer en contact et vous positionner en tant que fournisseur pour revendre leurs produits ou bien pour représenter la marque dans votre pays. Bien évidemment, il y a des conditions que vous devez négocier avec ces sociétés qui sont sur place, mais je trouve que c'est une bonne opportunité, surtout pour ceux qui recherchent des produits innovants, des produits qui n'ont pas encore à Kinshasa, qui veulent apporter de nouvelles saveurs, de nouvelles choses et tout. Et également négocier des prix intéressants parce que lorsque vous êtes au pays que vous commandez, exemple en Chine et tout, les prix vont être peut-être plus chers parce que, je sais, il y a différentes choses qui arrivent qui peuvent être prises en compte. Mais lorsque vous allez dans des salons comme le Gulf Food et tout,
vous avez la possibilité de négocier des prix directement avec les fournisseurs sur place, de rentrer en contact avec eux. Peut-être que ce que vous aurez acheté à Internet à 1 euro, en étant sur place, vous pouvez le négocier à 70, 80 centimes l'unité, par exemple. Et c'est toujours bien d'avoir le contact, de tester des produits, de voir les produits que vous voulez importer dans votre pays d'origine avant de l'acheter. Moi, j'ai toujours acheté en ligne, mais je trouve intéressant de pouvoir faire ces genres de salons pour découvrir également d'autres produits dont l'idée ne vous aurait pas traversé l'esprit pour pouvoir commercialiser. Là, par exemple, mon frère a rencontré un vendeur de glace, un fournisseur de glace qui essayait de le contacter pour pouvoir commercialiser ses glaces au Congo. Donc, si vous avez, exemple, vous avez des magasins que vous voulez commercialiser ces glaces-là, ce sont des marques qui peuvent être intéressées pour collaborer avec vous et il vous faudra négocier en fait quelque chose où chacun pourra se retrouver pour que vous puissiez être le distributeur de cette marque dans votre pays d'origine. Donc, c'est vraiment un salon qui est ouvert à tout le monde. Donc là, il m'avait montré, mais c'était juste géant. C'était vraiment géant. Il y avait la partie alimentaire. Il y avait également une partie un peu plus médicale qu'il m'avait montré. Mais on n'avait pas trop traîné par rapport à ça parce que c'était plus la partie alimentaire. Malheureusement, il n'a pas pu m'envoyer des plus longues vidéos que je voulais vraiment avoir pour pouvoir vous présenter le salon. Mais bon, lui, il en a profité parce qu'il travaillait dans le bâtiment. Donc, du coup, il a pu capturer quelques images qu'il m'a envoyées. Mais n'hésitez pas si vous connaissez, de laisser des commentaires dans la vidéo pour pouvoir guider ceux qui ne connaissent pas. Moi, personnellement, je n'ai pas pu être dans ce salon parce que déjà, j'ai eu l'info beaucoup trop tard, mais en 2025 pourquoi pas, franchement en 2025 par rapport aussi au projet que j'aurai comment se déroulent mes projets actuels, comment ça sera, peut-être qu'en 2025 je pourrai y être pour voir de moi-même qu'est-ce que ça donne et voir les produits qui sont proposés. Donc là vous avez différentes choses, vous avez du lait en poudre, vous avez des tomates concentrées, des glaces, beaucoup de choses. Donc fournisseurs et revendeurs se retrouvent tous au même endroit pour pouvoir coopérer ensemble et c'est hyper intéressant. Donc des fois à Kinshasa on va se dire ah il y a ce truc là, je sais pas comment faire pour l'acheter. Mais souvent les gens qui cherchent les infos ont des bons plans et souvent ces bons plans c'est ce genre de salon ou bien même des fois des salons de l'agriculture en France où il faut se rendre pour découvrir des choses. Et il y a pas mal de salons également qui sont organisés en Chine sur tout ce qui est matériel agricole et tout, de ferme et tout. C'est des choses qu'il faut aller chercher pour pouvoir trouver les bons plans. Et n'hésitez pas à aller sur Internet pour chercher l'info. C'est quand on cherche l'info qu'on trouve vraiment les bons plans. Et si on attend juste qu'un tel ou un tel nous donne les bons plans, des fois, on ne va pas les trouver parce que chacun, ça peut être peut-être le secret d'une personne pour son business. Donc, il va avoir du mal à sortir les mots pour pouvoir te le dire. Donc, c'est à toi d'aller le chercher. Mais en tout cas, là, c'était un plan. Parce qu'il y avait beaucoup de Congolais, mon frère me disait, sur place, il y avait beaucoup de Congolais qui étaient là et d'autres nationalités également. Donc, n'hésitez pas à faire des petites économies pour pouvoir aller à cette édition qui aura lieu en février 2025 à Dubaï. Donc, c'est beaucoup d'argent peut-être à mettre de côté, mais ça peut valoir le coup si vous voulez, vous avez des grandes idées, de grands projets, surtout dans tout ce qui concerne l'alimentation, pour vous lancer au Congo ou dans d'autres pays. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'avoir quelques infos et n'hésitez pas à partager votre avis par rapport à ça et à donner aussi d'autres plans qui peuvent être intéressants pour qu'on puisse échanger ensemble. Portez-vous bien et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.